d'être beau comme ça. Bonjour les mamans. Bonjour. Et les papas, oui, bien sûr. Bonjour. Allô. Allô. Allô, tu vois. MLC et le Front pour le respect de la Constitution, ainsi que l'Union pour la nation congolaise, UNC et alliés, se sont rencontrés ce jeudi 15 mars 2018 pour échanger sur la situation politique du pays. Les échanges ont tourné autour des questions relative aux problèmes sécuritaires à l'est du pays, particulièrement en province d'Ituri. Il s'agit d'une instrumentalisation ethnique pour déclencher la guerre entre les Hema et les Lendu dans le but inavoué de semer le chaos, avec notamment comme conséquence, les déplacements des populations loin de leur lieu d'enrôlement. Une implication rapide de la MONUSCO et des communautés locales pour arrêter ces génocides s'impose. 2. À l'évolution du processus électoral, tout en stigmatisant les embûches dressées sur le processus des élections dont M. Kabila Joseph demeure l'auteur principal, ils ont réaffirmé sans ambages, d'une part, leur détermination d'aller aux élections cette année, en 2018, et d'autre part, le rejet de la machine à voter. La CENI devra travailler de manière effective avec le panel des experts internationaux pour garantir la transparence des élections. De même, l'audit du fichier électoral devra intervenir avant l'examen de la loi sur la répartition des sièges. 3. À envisager la possibilité de mobiliser les énergies aux fins de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles
en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs communs. À cet égard, il demeure ouvert à toutes les forces politiques significatives qui veulent les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique en décembre 2018. 4. Au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre dans son application intégrale. 5. À la loi sur le financement des partis politiques dont les dotations budgétaires n'ont jamais été exécutées. De ce fait, l'État devrait prendre en charge les frais de dépôt des candidatures. 6. De l'engagement à continuer les contacts et échanges comme ceux commencés avec les partis lumumbistes unifiés, PALU en sigle, en vue de l'émergence d'un large front républicain et démocratique sur l'échiquier national et gagner ensemble les élections à venir. Fête à Kinshasa pour ce 15 mars 2018 pour l'UDPS, le président du Rassemblement Félix Tshisekedi, pour l'UNC et alliés, le président de l'UNC M. Vital Kamerhe, et pour le MLC et le Front pour le respect de la Constitution, Madame Eve Bazaïba Massoudi. Je vous remercie. Ensemble pour la victoire finale. Mais il est vrai que, au-delà des calculs électoralistes auxquels tout le monde pense, la priorité était d'abord de faire, comme vous avez entendu Madame Azaïba Massoudi, de dire dans, lorsqu'elle a, excusez-moi, fait le compte-rendu, la première des choses, c'est que les grands leaders d'opposition, les grands partis de l'opposition, veulent d'abord aussi se mettre ensemble pour réfléchir sur le Congo et essayer d'harmoniser leur vue par rapport à une décision commune, par rapport à une déclaration commune. Je crois que ce qui vient de se passer
n'est pas encore l'aboutissement de tout ce que nous cherchons. Ce n'est, nous n'en sommes encore qu'à des débuts, mais croyez-moi, les choses sont en train de bouger. Et croyez-moi, ça sera cette fois-ci ou jamais. Sérieux, en termes de conviction, de détermination, je crois que vous avez pu voir les têtes qui étaient là et personne n'avait envie de rigoler. Nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de la RDC, vis-à-vis de notre commune. Merci.